Chers camarades, bonjour. Ma camarade, mbote mingi. Esengote. Merci mingi. Lelo, eza mokolo. Oyo tobengi matinée politique, communication entre biso ba membres ya directoire na base nombreuse na biso ya regroupement AFDC et alliés. Lelo tozoloba ete makambo mazali mingi na mboka na biso. Kasi boyebi ete tozali koluka bolamu ya mwana mboka nyonso po ete mboka oyo Nzambe abenisa, mboka oyo Nzambe atia makoki manso. Kasi tala mawa mingi komona ete population na biso eza kaka na pauvreté. Batu mingi balula kamboka na biso. Baza jalu na mboka na biso. Balo waka ete me, ndenge nini batoyo
bazana makoki manso ba resource nyonso kasi bazako vivre na bobola yango biso tokela oyo regroupement politique AFDC allié poete to briser paradoxe wana to briser yango ete richesse na ba ressources ya mboka et profiter na bana ya Congo nyonso eza bongote programme na biso ezalaka basé na bonne gouvernance moto nyonso ya AFDC allié esika azali soki ba pesie ebonga soki ba pesie esika ya mosala ifo alakisa idéologie na biso na yango lelo tolobi ete to fixer opinion mbala na mbala na kobando loba tantôt na français tantôt na lingala eza bongo te biso regroupement politique AFDC et allié tozali ba membre ya majorité parlementaire. Majorité parlementaire, c'est-à-dire que tozali pembeni ya ba regroupement oyo eza ko constituer majorité na parlement nyonso tozali ko soutenir président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenir gouvernement de la République. Boye ba été. Biso toza deuxième force politique. Tozali komene komba na biso pour être changement radical ezala na kati ya mboka na biso. Makambo babongwana. Basta. Na nena uti koloba. Na français. Notre regroupement politique AFDC est allié. Il est dans la majorité parlementaire. C'est-à-dire que nous soutenons son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et nous soutenons son gouvernement, le gouvernement de la République. À la même occasion, vous le savez très bien, nous avions proposé un plaidoyer pour la paix, pour la bonne gouvernance politique, économique, environnementale, sociale, sécuritaire et diplomatique. Nous avons lancé ce plaidoyer il y a de cela quelques mois. Voilà que les gens nous ont emboîté le pas. Nous disons clairement, en ce qui concerne le regroupement AFDC et alliés, la crise, elle est là. Elle n'est pas à cacher. Les gouvernants se sont retrouvés dans la rue, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité ou de la société civile, avec la participation active du regroupement AFDC allié, nous nous sommes retrouvés dans la rue. C'est une preuve que la crise, elle est profonde. Parce que ceux qui doivent répondre aux préoccupations de la population, au lieu d'y travailler, ils se sont retrouvés dans la rue. Ce n'est pas la rue qui va apporter les solutions aux préoccupations de la population. Voilà pourquoi nous avions proposé le plaidoyer pour la paix et la bonne gouvernance. Nous avons dit clairement ceci. Pour le regroupement AFDC et alliés, il faut entreprendre des réformes profondes.
D'abord, en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, il faut d'abord procéder aux réformes avant de désigner les membres de la CENI. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. D'abord, les réformes électorales avant la désignation des membres de la CENI. Et ces réformes doivent porter à la fois sur la loi, sur la composition, sur le fonctionnement de la CENI. C'est pour cette raison que nous avons dit notre originalité, c'est que nous voulons qu'il y ait la transparence réelle et la neutralité de la CENI pour respecter la volonté de la population. Lorsque la population vote, ce sont ces personnes-là qui doivent la représenter et pas du peuple prime devant toute chose. Deuxièmement, nous disons que il faut garantir cette transparence de manière à ce que cette fois-ci il y ait 26 membres de la CENI qui représentent les 26 provinces. En tenant compte du genre, la représentation de la femme, la représentation de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Toujours dans les 26. C'est dans les 26 qu'il y aura le président et les autres membres du bureau. Nous disons également que tous les 26 membres de la CENI doivent provenir de la société civile. Plus question de politiciens dans la composition de la CENI. C'est ce qui crée du désordre. Nous disons que les réformes doivent porter également sur le mode de proclamation des résultats. Les résultats doivent être affichés devant chaque bureau de vote immédiatement après le vote. Et la proclamation doit se faire du bas en haut, c'est-à-dire en commençant par bureau de vote, centre local de compilation des résultats, secrétariat exécutif provincial et finalement au niveau national pour la CENI. Cela pour éviter la fraude. Nous disons tozonga la makambo ya CENI sikona lingala tolobi ete liboso ya ko désigner ba oyo ba kozala ba membre ya CENI esengeli mbongwama esalema na mibeko pe na ndenge CENI ekokambama. Pour être chaque province est à la représenter. Ma 4 y a 26 wana basi bazala, bilenge bazala, batu oyo bas vivaka na handicap pe bazala. Tolobi ete kaka na 4 y a 26 wana ne bako composer, bako désigner président ainsi de suite. Kasi. Tolobi ete proclamation y a résultat. Ponako éviter Moïbi, eh bien, il faut salema à partir de la base, c'est-à-dire il y a bureau de vote. Le résultat de vote est affiché immédiatement. Proclamation est bandanassé, bureau de vote, centre de compilation locale, secrétariat exécutif, qui est matin à Kisasa au niveau national. Et puis,
tolobi ete il faut pas créer organe moko ya audit. Audit ya seni il faut sale maka par un organe permanent. Naba changement mususu. Tolobi ete biso AFDC et allié. Toboy makambo ya kopona président de la République par ba député na ba sénateur. Eza bongo te. Toboy na motema moko kopona président de la République na ba député pe ba sénateur. Il faut peuple ye moko apona oyo tobengaka vote universel direct ya population. Tolobi lisusu boye. Na mae matali sécurité. Na kimia na kati ya mboka. Province na province bazala na oyo babengaka barza communautaire. Batuba mesana ko échanger ko solola. Poete makambo tozali komona sikoyo et comme ma vie soit ici comme ma baisse qui te kobi na yango. Na yango tolobi toboy tribalisme. Et ça bon moté. Je disais ceci que nous condamnons fermement le tribalisme d'où qu'il vienne. Amen, papa. Nous disons que nous recommandons qu'il y ait un barza communautaire pour permettre des échanges et le dialogue entre les communautés au niveau de chaque province. Amen. Nous disons également ceci, que pour des questions économiques, nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Et ça, c'est notre option fondamentale. C'est pourquoi vous voyez, au milieu de notre drapeau de l'AFDC allié, il y a la houe. La houe qui symbolise l'agriculture. Nous ne pouvons pas négliger l'agriculture parce que quand l'agriculture est valorisée, nous sommes sûrs d'employer au moins 70% de la population et c'est un moyen de lutter contre le chômage mais également de booster la croissance économique. Nous disons également ceci, que compte tenu de tous les problèmes qui se posent au pays, nous recommandons que le chef de l'État puisse procéder à une consultation de la classe politique et de la société civile. La société civile est réelle, pas celle qui est fabriquée. Pour écouter ce que pense la population, ce que propose la population et en tirer les conséquences. C'est très important. Nous disons également ceci. La classe politique a causé beaucoup de tort à la population. Donc nous devons nous repentir. Il faut que nous, la classe politique, nous puissions nous repentir. Surtout les dirigeants. Nous devons nous repentir pour changer les choses parce qu'on a causé beaucoup de tort à la population. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons des initiatives que nous allons lancer au niveau de notre regroupement politique AFDC allié. Nous avons conçu la nouvelle carte biométrique que nous allons donc mettre en circulation. Vous voyez notre nouvelle carte biométrique. Eh bien, chaque fédération ainsi que le secrétariat général auront la charge de vulgariser et de permettre à ce que chaque membre puisse s'en procurer. Nous avons aussi lancé la mutuelle de santé parce que nous constatons que on dépense beaucoup d'argent pour la santé. Et donc, il faut mutualiser les efforts. Nous avons créé donc
la mutuelle de santé de l'AFDC est alliée. Elle est déjà agréée par les instances compétentes. Il suffira de souscrire et on est membre d'office. Nous avons pensé également, aujourd'hui, permettez, parler de tout ce qui a été réalisé par le président de la République, notamment la gratuité de l'enseignement, mais également la lutte contre la pandémie de COVID-19, le coronavirus. Voilà qu'aujourd'hui, nous portons mieux qu'hier. Et vous savez que sous d'autres nations, il y a eu des désastres. Dieu nous a préservés. Et c'est pour cette raison que nous disons que la maladie est toujours là. Il faut continuer à vous protéger et à observer les mesures barrières. Nous disons également que parmi les innovations, désormais les sénateurs et les gouverneurs de province devraient être élus au suffrage universel direct de la population pour éviter la corruption. Nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe. Nous encourageons l'autorité suprême du pays dans sa lutte contre la corruption et dans l'avènement d'un état de droit. C'est pour cette raison que, parlant de l'état de droit, nous estimons doit reprendre tous ses droits, doit être rétabli dans ses droits. C'est la justice, c'est l'équité. Oui, mais c'est avec une joie immense que nous avons accueilli ça. Surtout que, vous savez, nous venons de traverser une période un peu chaotique. Grâce à l'intelligence du chef de l'État, ce qui a fait qu'on puisse amortir. Il ne faudrait pas qu'en 2023, que nous puissions connaître la même chose. C'est comme ça que le sénateur, un bon visionnaire qu'il est, il a pensé toutes ces réformes-là. Est-ce que toutes ces réformes-là vont impliquer la révision de la Constitution? Ça ne risque pas de prendre du temps? Non, non, il est question d'une volonté politique. Ça ne peut pas prendre du temps. Si la volonté politique y est, on peut le faire dans peu de temps et en 2023, nous y irons. Les membres de CASH sont venus participer à cette matinée politique. N'est-ce pas une coalition de gestation entre la CCA et l'IDPS? Mais l'autorité morale vous a dit que nous soutenons l'action gouvernementale. Donc nous sommes partie de la majorité parlementaire. Nous faisons partie de la majorité parlementaire. L'impossible n'est pas exclu que les amis du CASH viennent. Donc on est en politique. Voilà. Laisse à nos téléspectateurs de vous présenter. Merci beaucoup. C'est le monsieur Dassi Bongina, secrétaire national et fondateur de l'AFDC. Merci. Parler de la position de l'AFDC concernant le vote direct, le suffrage direct. L'AFDC a dit non au suffrage direct. On ne peut pas éviter, on ne peut pas dire au peuple congolais de ne pas voter, faire le choix de manière directe sur son président. Donc nous disons non. Et l'autorité morale a encore martelé sur le fait que la justice doit faire son travail, c'est celui de rendre justice à l'AFDC allié parce qu'il n'existe qu'un seul regroupement AFDC allié. Il n'a pas manqué un mot à pouvoir par démocratique du Congo. Il a regretté le fait que l'Est de la République démocratique du Congo reste le maillon faible en ce qui concerne l'établissement de l'autorité de l'État. Et puis en tant qu'économiste, vous le savez, que Bahati Nkwepo, il est docteur en économie, il s'est posé la question de savoir comment un pays si riche, le contraste qui existe entre le pays riche et la population pauvre. En cela, nous avons une réponse. L'AFDC allié a une réponse, c'est-à-dire nous devons aller à l'agriculture pour booster l'économie nationale et donner du travail, lutter contre le chômage. Alors, à part avoir balayé tous les secteurs de la vie,
Modeste Sauvage et Lucco Boidi, nous faisons partie de la majorité. De quelle majorité faites-vous allusion? Parce qu'on sait que ceux qui sont dans la majorité, ce sont ceux qui gèrent aujourd'hui le pays. La majorité dont a parlé l'autorité morale, ce n'est pas la majorité politique. Il a parlé de la majorité parlementaire, une majorité qui est réelle. En parlement, c'est que c'est le FCC, les cages. La majorité parlementaire, l'AFDC allié est la deuxième force. Ça veut dire quand vous comptabilisez le nombre des élus, vous verrez que l'AFDC allié est la deuxième force en ce qui concerne la majorité parlementaire. Donc nous parlons de la majorité parlementaire. Nous ne parlons pas d'une majorité virtuelle, nous parlons d'une majorité réelle parlementaire.